Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point hebdomadaire des sociétés de gestion. Nous sommes le 13 juillet. H2O Asset Management a annoncé l'acquisition prochaine d'Arctic Blue Capital, gérant systématique axé sur les matières premières auprès de Stable Asset Management. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées. Et puis Amplegest a dévoilé son plan stratégique 2020. La société de gestion entend porter ses encours à 1 milliard d'euros d'encours en gestion privée ainsi qu'en gestion d'actifs et à 1 milliard d'euros sous supervision pour ses activités de Family Office à horizon 2020. Notre zoom de la semaine est pour Hamilton Premium, un fonds d'action européenne de petite et moyenne capitalisation. Il bénéficie de l'expertise Small Cap d'Hamilton Asset Management étendue à l'univers européen. Et depuis la reprise de la gestion par Harry Volander le 1er janvier 2015, Hamilton Premium a délivré une performance annualisée de plus de 25%. Hamilton Asset Management est une société de gestion indépendante détenue à 100% par ses dirigeants. La société est composée de 18 personnes, dont 8 gérants et analystes, et gère plus de 725 millions d'euros. C'est la fin de ce flash. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point avec les sociétés de gestion.